Pour ce yoga nidra, on va essayer de relâcher le corps dans un premier temps, et puis d'aller explorer un petit peu au niveau de des rites, des rituels, des offrandes. Vous pouvez vous installer confortablement sur le dos, en essayant de bien égaliser la position du corps à travers l'observation, le ressenti. Peut-être essayer de vérifier que les deux bras, les deux jambes sont positionnés à distance égale du buste, la tête alignée avec la colonne vertébrale. Tout le corps qui progressivement se relâche sur les expirations. Et avec ce relâcher, on relâche aussi nos pensées. On va les laisser peut-être au début tournoyer encore un petit peu autour de nous, puis on va ne plus s'intéresser à ce qui se passe par rapport à ces pensées. S'il y en a une qui nous arrive, on la laisse partir sur l'expire. C'est de ne pas développer, de ne pas la suivre. Chaque fois, je reviens à mon inspire, mon expiration. Je relâche complètement le corps, les tissus, la peau, les muscles. Et juste avant de commencer le décompte, je vais vérifier que tout le corps est bien détendu, en commençant par ressentir ce qui se passe au niveau du cuir chevelu. Puis je détends le front, les traits du visage, les mâchoires, ma langue aussi que je dépose dans la bouche. Je vais desserrer les dents si jamais elles étaient un petit peu crispées. Les joues se lissent, la gorge se relâche, les épaules. Je laisse ma poitrine respirer librement. Je laisse mon ventre bouger à l'inspire, à l'expire. Je détends les articulations des genoux, des épaules. Je vais libérer aussi les coudes. Dos des mains au sol, paume de main vers le ciel, et je laisse mes doigts se replier légèrement de façon détendue, relâchée. Je relâche la plante des pieds, les chevilles, et je reviens au souffle. J'essaie de repérer les instants de suspension, donc ces instants immobiles. Donc je prends bien conscience que tout ce qui est de nature, tout ce qui est de la nature, c'est-à-dire de la, du matériel, génère du mouvement. Et tout ce qui est immobile et plus de la nature de la conscience. Donc, dans ces entre-deux, au moment où il y a la rétention de souffle spontané, j'essaie de repérer cet instant-là, la pensée et la respiration sont reliées ensemble. Plus ma respiration s'agite et plus mes pensées tournoient, et vice-versa. Et je viens me glisser dans les instants entre deux, avant l'inspire et après l'expire.
Et je vais décompter ces instants si je les ai repérés, de 12 jusqu'à 0, ou bien je décompte les expires ou les fins d'expire. On y va. Et sur les trois prochaines expirations, je vais répéter le Sankalpa. Ma motivation profonde, ce qui me maintient, ce qui sous-tend mes actes. Et on va déplacer notre attention dans le corps, sur les expires, soit sur les fins d'expire, ou ces entre-deux. Mouvement fluide d'un point à un autre. Et je viens glisser mon attention dans le pouce de ma main droite. Le deuxième doigt. Troisième. Quatrième, cinquième, le dos de la main, la paume, toute la main. Poignet, l'avant-bras, le coude, le haut du bras. L'aisselle, côté du buste, côté de la taille, la hanche. La cuisse, le genou, la jambe, cheville. Talon. La plante du pied, le gros orteil, deuxième, troisième, quatrième, cinquième orteil.
Et glissez doucement dans le pouce de votre main gauche. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Le dos de la main. La paume. Toute la main gauche. Poignet. Avant-bras. Le coude. Le bras. L'aisselle. Côté du buste. Côté de la taille. Hanche. Côté cuisse. Genou. Jambes. La cheville. Talon. La plante du pied. Aux orteils. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Glissez doucement sur le sommet du crâne, puis à l'arrière du crâne. La nuque. L'épaule et l'omoplate sur la droite et l'épaule et l'omoplate à gauche. Tout le dos. Le bras droit entier. Le bras gauche. Le bassin. Arrière cuisse droite, arrière cuisse gauche. Mollet droit, mollet gauche. Les deux talons. Et retour au sommet du crâne. Glissez à présent sur la tempe droite,
tempe gauche, tout le front. Sourcil droit, sourcil gauche, milieu sourcil, l'œil droit, l'œil gauche, le nez, joue droite, joue gauche, mâchoire supérieure, oreille droite, oreille gauche, mâchoire inférieure, le menton, gorge, le haut de la poitrine sur la droite, à gauche, milieu poitrine. Le ventre, bas-ventre, ovaire droite, ovaire gauche. Le sexe, l'anus et toute la jambe droite, toute la jambe gauche. Le bras droit entier, le gauche. Tout le corps. Tout le corps. Tout le corps. Devant soi, un ciel bleu. Et sous ce ciel, l'océan. Les deux se rejoignent sur la limite du firmament, et je vais déposer mes yeux sur cet espace. Sensation du corps immergé dans l'océan. Et je ressens la purification de cette eau. Comme si je me baignais dans l'éternité, cet espace infini, vaste. Je laisse les limites de mon corps s'évaporer pour faire un avec cette vastitude. Je reviens doucement à l'espace du cœur.
Je vois devant moi des fleurs dans cet espace du cœur. Et dans le temple qui est à l'intérieur, de l'encens qui brûle, des graines, des épices, du miel, tout ceci offert en offrande. Tu prends conscience de la même nature de ces choses et de mon corps, même nature divine. Ce miel, ces épices, ces graines, ces fleurs et cet encens offerts en rituel à mon corps. À chaque repas, une offrande à ma part divine. Toujours conscience de l'espace du cœur, et je laisse pulser depuis cet espace une extase, un sentiment d'amour dans toutes les directions. Et comme si cette pulsation devenait quelque chose de, qui m'enveloppait comme un liquide, alors le bain rituel se passe dans cette énergie abandonnée, totalement ouverte, en confiance. Écoutez seulement le chant. Om Svatantra
Anandachit matram sarasvatma isarvatam aveshaman tat svarupesvaatmana namam eritam. La réelle purification avec l'eau et de se baigner dans l'essence de l'éternité et de se tenir dans son véritable corps. Incroyable autonomie, lumineuse béatitude, conscience invisible, pulsante, toujours dans toutes les directions.
La véritable nature du soi est autonomie, félicité et conscience. Ceci étant connu, contempler ces trois aspects consiste dans le véritable bain rituel. Un bain spirituel dans cette nature de soi. Doucement, je vais revenir dans cet espace du cœur. Peut-être une petite flamme dans un autel avec cet encens qui brûle toujours, cette offrande. Je vais rester conscient de ma nature, conscience de ma véritable nature. Et je reviens doucement à l'intérieur d'une inspiration, conscience des limites du corps. Je reprends une inspire plus profonde. Et tout doucement, je vais préparer à venir m'asseoir avec un minimum de mouvement. Les yeux fermés, peut-être les paumes de main posées sur les genoux, paumes de main tournées vers le ciel, les yeux clos, la colonne vertébrale alignée, le souffle qui circule. Je vais essayer de rechanter le mantra. Svatantra Ananda
Shinmatram Sarasvatma Istarvatmaham Avishanantat Svarupe Svatmanat Nanan Iritam Om. La nature de soi consiste de façon universelle en autonomie, béatitude et conscience. Quand on s'absorbe dans cette essence, c'est ce qui est appelé le véritable bain, qu'ils appellent le bain rituel. Cette immersion dans cette connaissance. Peut venir joindre les paumes de main. Inspirez. Et par rapport à l'autre chant, je ne l'ai pas chanté parce qu'il était trop compliqué. C'était sur l'offrande. Et en fait, sur ce rituel d'offrande, dit qu'au final, les objets et le fait d'offrir comme des fleurs, de l'encens, du miel, la nature des objets qu'on offre, notre nature à nous et la nature du divin qu'on est en train d'honorer sont de même nature en fait. On est tous de la même nature, donc il questionne cette différence en fait. Y a-t-il vraiment une différence entre celui qui offre et celui qui reçoit et qui vraiment est en train d'honorer en fait? C'est la question qui est posée dans ce tantra. Et ici, ils disent, les offrandes, l'adorateur, la suprême Shakti ne sont qu'un. Ceci est l'adoration profonde. Là, il ne pose pas la question, il donne une réponse. Voilà pour le laisser d'aujourd'hui. Merci.